Yo les marsouins, c'est Ipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte. Une vidéo découverte d'un mode de Rising Storm de Vietnam qui s'appelle Talvisota Winter War. Ce mode a été développé par la communauté et par la team Talvisota Team. Et il est entièrement gratuit si vous possédez Rising Storm de Vietnam. Alors comme vous pouvez le constater, on a quitté les jungles du Vietnam pour rejoindre le froid dans les forêts de Finlande. On a troqué les hélicos contre des chars soviétiques. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que les développeurs ont fait un taf de malade. Ils ont complètement transformé le jeu en gardant bien sûr le gameplay de Rising Storm de Vietnam. Bref, je vous laisse découvrir ça. Bon visionnage. Alors là, mon gars, on y est. Hein. On est en pleine guerre. On va pas se le cacher. Oh, c'est ouf. Oh, l'ambiance, elle est incroyable. Alors, pour tout vous dire, nous sommes en 1939 dans une bataille qui oppose l'Union soviétique et la Finlande. Et franchement, on est déjà dedans. On va laisser les chars progresser. Où est-ce qu'il est l'objectif là-bas? Alors vous avez pu constater, j'ai retiré un maximum d'informations sur mon HUD pour l'immersion. Et franchement, ça en jette de ouf. Je cache pas que j'ai peur de me lever là. J'aimerais bien gagner les bois qui sont sur ma gauche. Ah, c'est un allié lui? Ouais, c'est un allié. Oh merde! Je sais pas ce que j'ai pris, mais j'ai pris. Mais l'ambiance est incroyable. En tout cas, je pense que ça va pas être facile d'aller capturer Alpha. Qu'est-ce que je vous disais? En fait, il va falloir se la jouer comme dans Verdun. De trou en trou. Parce que là, il y a une vraie ligne de front sur cette map. Il faut savoir que les développeurs, ils ont fait 11 maps. 11 maps pour un mode gratuit. Si vous possédez Rising Storm de Vietnam, bien sûr. Moi, j'ai comme l'impression que les Finlandais sont bien en place. Du coup... on va essayer de les contourner sur mon flanc droit. Donc sur leur flanc gauche. Parce que là, passer en plein dans la plaine, là, c'est pas possible. On va essayer de se la jouer discret de ce côté-là. On va suivre notre camarade. Un aigrier. Bombardement imminent, c'est pas sur notre position. On est en bordure de map, ouais, c'est bien ce que je pensais, un aigrier. Où est-ce qu'ils sont? Ok, visu. Ah, j'en ai vu en fond là. Vous pouvez se remontrer. Ok, tombé. Non? Merci! C'est une blague ou quoi? Ok, je recharge. C'est quoi, c'est une grenade ça? Ah non. Je crois que c'est un bras. Un morceau de bras de mon collègue qui était juste en face. Je dis ça, j'ai rien. Bon, on va falloir que je progresse d'arbre en arbre. En tout cas, il y a du monde ici là. Il y a peut-être du monde encore ici, même si c'est la bordure de map. J'ai des camarades qui sont là. Allez, on va progresser tranquillement. Merde. Oh merde, il a pris un coup de tel molotov. Oh le pauvre.
Tu l'as eu. Bien joué. Ça, le point A à capturer. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai levé mon viseur au dernier moment? Je voulais viser la tête. Ah, je suis tout seul de ce côté-là. Ça va être chaud. Continue notre progression. On croise les doigts, on serre les fesses. Ok, visu. Je pense que je suis grillé également. Il y a trop de monde. J'ai pas envie de me faire griller en fait. On recharge, on reste planqué derrière l'arbre. On se la fait discret, c'est quoi qui vient de spawn là? Une roue là. C'est quoi ce truc? En fait, quand je tire, il faut que je tue. Faut que je sois sûr de tuer. Et là je l'ai raté. Il y a un mec ici hein. Ok, c'est un anti-char. Ah ouais, c'est ça, c'est un anti-char. Bon bah ma mission ça va être de neutraliser les mecs. Elle a rien pris, t'es sérieux ou quoi? Ah si, quand même, merci. J'ai cru qu'il était pas mort. Je crois qu'il y a un autre mec par là. Alors je sais pas comment ça se passe du côté de mes copains. Ah c'est bon, ils ont réussi à progresser un petit peu. Bon, on va essayer de rester par là. On va les laisser un peu tranquille. Putain mais... Merci. 3 balles quoi. Ah ils vont me chercher hein. Il y a un moment ils vont me chercher. Recharge. Pour l'instant ils m'ont pas repéré. C'est tout bénef pour moi, le char est passé. C'est bon ça. Bon, je crois que je l'ai eu, je suis pas sûr. Ok lui il m'a grillé, non? Non il m'a toujours pas grillé. Et tout. Ne pas jeter de grenade, ne pas se précipiter, tomber. Ils ont des lance-flammes, c'est quoi qu'ils ont? Oh, ils ont cramé le char, putain. T'es content que le char soit passé? Mais ils me l'ont plombé en 2 secondes. On n'arrive pas à le caper, Alpha. Ça fait un peu campouse les amis, je suis d'accord. Mais je suis tellement dans une bonne position qui empêche en tout cas les ennemis de venir sur ce flanc là. Je veux pas la quitter en fait. Tomber. Si j'aurais pu avoir un autre camarade avec moi, ça serait top. J'ai vu qu'il y avait du monde sur ma droite. Ça me fait flipper. Ok, ok, oh terrible. Tomber. Je sais pas ce qui a tapé là, si c'est l'artillerie ou autre. Mais c'était ouf. Ah, je suis gris ou quoi? Et si c'est des copains? Ok, faut que je recharge. J'espère que j'ai assez de mun. Ok, je suis grillé, non? Ça va être chaud. Ok. J'espère qu'il m'a pas vu. Je suis sûr qu'au prochain respawn. Il me bute. Ah, est-ce que c'est du spawn kill ou pas? Je sais pas. En tout cas, c'est un placement stratégique, les amis. On va dire ça comme ça. Et pour une fois que j'ai une bonne position, on va essayer de les empêcher de détruire ce char. Où est-ce qu'il est lui? Il reste 3 minutes pour caper.
pas l'avoir. Montre un petit peu ta tête, avance un petit peu, garçon. C'est sympa, dis donc. Ils n'arrivent pas à progresser, les potes. Il y a le char sur la position, mais l'infanterie n'arrive pas à progresser. Ah voilà, fallait bien que ça arrive. On va passer à l'assaut du coup. On essaie sur le flanc gauche. Comme ça, ça nous fait aussi découvrir la map. Où les copains. Oh, ok. Allez, 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 faut que ça passe. Il nous reste 3 minutes pour aller capturer Alpha. Ça sera embêtant de rester bloqué là. J'ai envie de voir la suite, moi. La map a l'air stylée. Là, je vais me coucher dans pas longtemps. Hop là, voilà. Ça passe ou ça passe pas? Allez, on tente. Salut les copains! Il faut qu'on aille où pour aller capturer Alpha là? Il y a trop de barbelés ici. Vite, 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 donnez-moi les tranchées! Merci! Aïe, merde! Et il reste 2 minutes, 2 minutes! 2 minutes pour capturer Alpha, les amis. On l'a pris? Ouais, yes, on l'a pris. Oh, nice. Énorme. On a réussi à le prendre. Alors, ça donne quoi là-dedans? Ok, c'est juste pour se planquer. Ok, y a un mec là-bas. Je vais lui jeter une petite grenade. J'espère qu'il va pas faire de team kill hein. Allez, on profite que les copains vont à l'assaut, on les suit. À l'assaut. Ça, je sais pas le dire en russe. Ah ouais. Et donc c'était bien anti-char hein. Ah merde, je me suis fait team kill. Ah putain, bah je vais pardonner. Je vais pardonner, parce que ça m'arrive tellement que je sais ce que ça fait de faire un team kill. Ouf. Alors. Là, le truc, c'est de savoir ça venait d'où. Ça peut venir de partout, en fait. L'ambiance elle est énorme. On va attendre que le feu s'éteigne avant de passer. Y'a quoi sur la gauche? On peut passer ou pas? Ah yes! Y'a de quoi manger? Non? Juste une petite bougie. Aïe aïe aïe. Je crois que ça venait de ma droite. On n'avance pas serein, les amis. Mais vraiment pas du tout. On est obligé de suivre la tranchée. Hein. Là, si on sort, ça sent le roussi. Recharge. J'ai du mal à l'avoir lui. On continue notre progression. Le char a progressé. C'est bon ça. Il est où l'objectif? Ok, là-bas. Encore loin. Ouais, quand même. J'ai pas demandé à monter. Dis-moi que t'es mort. Ok, je crois qu'il est mort. Ouais, c'est bon, il est mort.
on va passer par là. Hein. Y a un chemin. Bon, ça passe sous l'arbre, accroupi. Oh là là. On se fait bombarder sévère. Ou alors on bombarde, je sais pas, mais ça tombe pas loin. Et bon, on a des gars dans B. Ok, on a des potes à nous. Ok, super. On est dans Bravo là. Maintenant faut tenir. Ok. Je pense que je vais prendre un peu les hauteurs sur ma droite. Vous l'avez vu le Finlandais faire un petit vol plané ou pas? Ok. Grenade, 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 l'ami. Okay, je recharge. C'est chaud, ma grenade, elle a pas fait de dégâts, je crois. Ils sont vraiment tout proches là. Ils sont même pas 20 mètres. Non mais, t'es sérieux? Mais non. On sait où ils sont. Ok. Il y a le squad leader qui vient de claquer des smokes. Mais j'ai pas envie de passer. Je le sens vraiment pas. Ok, les copains qui sont passés. Je sais pas où ils sont. Ouais, cocktail molotov, grenade. Ah, à droite dans la forêt, j'en ai vu un. Oh, non. Oh putain, j'ai pris de l'artillerie. Donc il nous reste à peine 50 tickets. Et eux, ils en ont plus. Heureusement qu'il n'y a personne dans le bunker là, sinon je me serais fait découper les pattes. Ah non, 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 non. Eh oui, mais oui, oui, c'est ça. Il y a un mec. Oh, je sais pas si je l'ai eu, je pense pas. Hein. Ah si, il s'était rapproché. Il a pris ma grenade. J'ai un peu de réussite dans tout ça. J'ai entendu des tirs qui venaient de la droite là. Oh putain, il y avait bien du monde sur ma droite. T'es un copain ou pas? Je crois que c'était un pote. Yes, on a capturé. Et il leur reste presque plus de... Enfin, ils ont plus de respawn. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de monde en face de nous. Et c'est où que ça se passe? Ok, c'est là-bas. Bon, on va suivre les potes. Hein. Il nous reste combien de tickets, nous? 21, ok. Peut-être encore le droit de mourir une fois. Avec tout le monde qui rush, là, ce serait dommage de mourir. En tout cas, ouais, chapeau aux développeurs, les amis. Encore une fois, heureusement qu'il y avait personne dans le bunker. On n'a pas l'impression d'être sur Rising Storm de Vietnam. Et ça me rappelle un petit peu Red Orchestra, quoi. Ok. Donc ça c'est ce qu'on doit capturer. Ah non, on est sur D là. Oh, j'avais pas vu, pardon. Pardon, pardon, pardon. On va rester ici du coup. C'est ça de pas activer le HUD. Ils discutent en russe et tout. Ouais, t'as vu, on a réussi, on les a défoncés les Finlandais. Y'a plus personne en face. Je crois que je vais pas prendre les points de cap, mais c'est pas grave. On a capé. Ah non, il y a Echo et Charlie. Ok, il y a tout à capturer en même temps. Il doit rester quelques mecs, mais pas énormément.
Bon voilà les amis, cette vidéo découverte s'arrête ici et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et laisser un pouce bleu. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, si elle est jeune.